Nous on t'a connu comme le digne représentant du Dirty South français. Exactement, ça date de 2006 maintenant, hein, ça nous rajeunit pas. Et ouais, voilà, c'est comme ça que moi je suis rentré dans le rap, en mode Dirty South, Crunk. Et ça avait bien parlé en tout cas à l'époque, ce qui m'a permis et ce qui me permet d'être encore là aujourd'hui. J'ai l'impression que cette époque elle est un peu révolue. Pourquoi ? Révolue, ouais, mais c'est un peu comme tout, tu vois. C'est à l'époque c'était un peu entre guillemets une mode, tu vois. Aujourd'hui on est à l'ère de la trappe. Donc les gens font un peu moins de dirty, de crunk, mais la base est là. De toute façon, même la trappe, c'est le cousin ou le petit frère du crunk ou du dirty, tu vois. Mais c'était justement du coup ma question après, c'était, il aurait été légitime et logique qu'après le Dirty South, tu fasses de la trappe et t'en as pas tellement fait finalement, même, je crois pas. Moi, je dois avoir peut-être 2-3 morceaux, c'est vrai, mais après moi je suis un peu nostalgique du dirty en vrai. J'aime la musique, tu vois, et la trap, même si c'est de la musique, des fois je trouve que c'est un peu trop brut. Alors que Lil Jon, c'est fin. Non, attention, Lil Jon, il avait des mélodies, ce qu'il faisait pour Usher. Tu vois, ouais, le titre, ah ben voilà les gars, attends. Dans tes débuts, j'avais l'impression que tu essayais quand même de te démarquer du rap game français avec ce mouvement Dirty South. Là, j'ai l'impression quand même que tu essaies de revenir dans le rap game avec des featurings comme avec Alonzo, avec Bustaflex. Le game a pris l'eau, il tient à bout de bras, Vénus de Milo. Il perd des kilos, il a des cheveux blancs comme ton prof de philo. Il perd des kilos, RMA2N, Bustaflex au micro enfoiré. C'est vrai que si tu veux exister, je dis pas que le featuring c'est l'arme absolue. Mais en même temps, ça te permet de diversifier ton public, de te faire connaître. Tu vois, je te mens pas aujourd'hui. Voilà, j'ai un parcours depuis 2006. J'ai fait des feats avec Nak, avec Bustaflex, avec Black Kent, avec Green, avec Juicy P de l'MC Click. Bref, j'ai fait plein de feats. Ça m'a permis d'élargir un peu mon public. Et là, c'est mon troisième album solo. Donc voilà, No Peace, c'est le troisième de la famille, c'est un très très bon album, j'ai de très très bons retours, déjà en ce qui concerne les morceaux qui avaient été sortis en single. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis aussi d'être là ce soir, de faire Faut que ça trace. Sur le deuxième album, Young CEO, t'avais envoyé une petite pique à Rof. Est-ce que tu la renvoies pour le troisième ? J'ai dit que mon album, musicalement, mais les gens, ils ont enlevé musicalement et ils ont dit que mon album serait meilleur que celui de Rof. Non, c'est pas ce que j'ai dit, musicalement, il serait meilleur que celui de Rof. C'est la musique. Oui. Mais tu sais que les gens, le problème, c'est qu'ils font un rapport entre de personne à personne. Moi et Rof, c'est clair et net, il n'y a pas photo. Voilà, je sais quand même d'où je viens, je sais ce que j'ai fait, je sais ce qu'il a fait. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Maintenant, musicalement, c'est aussi un game, c'est aussi un truc. C'est de la compétition. Si le mec, il dit que son album, il est meilleur qu'un tel, moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que même les mixtapes là, dont on a parlé, c'était uniquement de la compétition. C'était du game. Ouais. Le côté arrogant, le côté... C'est pas un côté où le mec, il a la grosse tête. Non, c'est pas ça. Ouais. Mais malheureusement, ou je sais pas, les gens, ils veulent comprendre que l'autre côté de l'histoire. Maintenant, je le redis, mon album Young CEO était meilleur que celui de Rof. Et No Peace, c'est un des meilleurs albums de 2015. Voilà. J'espère. Voilà. Merci beaucoup, Hermès. Merci à vous en tout cas, ça fait plaisir. Et puis on va soutenir Face B. Cool. Yeah, besoin de fly, je perds mes repères. Je peux encore m'en sortir, je n'ai qu'un genou à terre. J'ai fait le con et je suis padré. Appelle-moi un docteur, même si c'est padré. Je suis déboussolé. Je suis pas bien et je suis pas sûr que ça ira mieux.